Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Nico. Donc, j'espère que tu vas bien et que tu vas apprécier cette petite vidéo sur la bêta de Doom. Donc, c'est ma toute première partie sur cette bêta. J'ai pas fait la bêta fermée, j'avais eu le code et je l'ai téléchargé, mais j'ai pas pu y jouer. Donc, là je me rattrape sur cette petite bêta ouverte en fait à tout le monde. Donc, j'espère que je vais pas trop mal jouer, malgré que j'ai tendance à être une vraie quiche quand il s'agit de jeux de tir et qui plus est en réseau. Donc, on va voir. À ce que j'ai vu sur le net, même les certaines vidéos de la bêta fermée en fait, Match à mort par il y équipe. aurait quelques flingues intéressants. On peut aussi modifier son armure, sa couleur, mais faut quand même progresser dans les niveaux. Là, c'est ma toute première partie, 5, 4, donc 3, 2, ok. 1. Donc, je sais pas trop ce qu'il y a comme flingue. Je sais qu'on a un bazooka de base et un espèce de blaster. J'ai pas encore trop retenu les noms des armes. Hop, j'ai cru que c'était un ennemi, mais c'était un ami. Donc les bleus, c'est mes copains, et les Début rouges, des hostilités. c'est les super vilains. Ouais, bah lui commence bien, il se fait déjà exploser la gueule. Ouais, bah moi aussi, à vrai dire. Ok. Alors je suppose que pour tirer. Pour tirer. Ouh. Pour recharger, ça doit être. Je sais même pas si on peut recharger en fait. Hop. Non, ça c'était pas ce bouton. Ça c'est le bouton de base pour tirer. Ok. Voilà. Toi, t'es mouru. Alors ensuite. Oui, donc, j'ai vu sur. J'ai vu sur les précédentes vidéos en fait qu'il y avait plusieurs flingues. Pour cette. Oh là, pour cette bêta. Mais, ouais, faut progresser. On peut changer les quelques pièces de l'armure. La couleur. On peut aussi apparemment changer la couleur des flingues. Donc, bon, on va voir, hein. Là, c'est notre première partie. Putain, mais c'est quoi ce flingue tout chelou là qui tire des grosses bulles? Parce qu'en Rune plus, on peut démon pas en spécialement dire que ça fait approche. des dégâts. Oh, toi. Ben non, t'en vas pas. Rune démon Oh, apparue. quand je Rune viens, ennemie tu t'en apparue. vas, Vous ne mais venez quand plus. tu viens, c'est moi qui m'en vais. Putain, c'était quoi ça? Ah, on aurait dit. On aurait dit le fameux monstre qu'on voit sur sur l'image de la bêta. Ça doit être ce fameux monstre là en squelette avec une espèce de grosse armure dorsale. Et avec un flingue, quoi, une espèce de gros fusil de chaque côté au niveau situé sur les épaules. Oh merde! Je vous avais dit que j'étais une quiche, hein. Je fais que de crever là. Si seulement on pouvait gagner des points quand on meurt, je pense que je serais classé dans les premiers. Alors. Alors la map, elle a l'air quand même relativement grande, quoi. En même temps, je la connais pas spécialement, mais Trouve la possession démoniaque. oh, j'ai vu un morceau de mec tomber. Il y en a un qui s'est fait péter à la grenade. Alors, tigré, tigré, tigré. Bon, mais toi, t'as l'air de connaître bien le terrain, hein. Ah, ouais. Je tire, je me loupe. Ah, je l'ai eu, je l'ai eu. J'ai pas fait exprès, mais je l'ai eu. Ta-da-da-da. Oh ben non! Pouvez pas me laisser au moins lui enlever encore un petit peu de vie, non? Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il nous fait commencer avec le bazooka là. Alors qu'à la base, c'est pas ce flingue-là que je veux utiliser dès le départ. Oh là, il y a du monde là. C'est une petite réunion de super pas ou quoi? Allez, badaboum, badaboum, badaboum. Donc apparemment aussi il y aurait des petites scènes de QTE, quoi, de QTE.
pas des scènes de QTE, mais apparemment quand on fait du corps à corps, on pourrait vraiment voir la façon qu'on déchiquette les ennemis. Tout. Moi, je vais pas viser le corps à corps dans le jeu, parce que déjà d'une, rester mes Kezako. Ok, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Déjà que j'ai du mal à rester en vie en utilisant que les flingues, alors si c'est pour s'approcher de l'ennemi et en plus lui envoyer des coups de crosse ou autre objet qui pourrait lui faire du mal. Hop là, hey, hey. Qui pourrait lui faire du mal au corps à corps, ce sera sans moi, hein. Du moins pas pour l'instant. Oh là, je suis un très bon viseur. Putain, j'ai l'espèce de bazooka, merde. Et je loupe ma cible au moins 20 fois, quoi. C'est pas possible, sérieux, d'être aussi nul. Oh, pardon, excuse-moi, collègue. Ah. Je crois que j'ai tué mon collègue. Bon, je vais rien dire. Tu m'as tué, mais c'est pas grave, je le méritais. Parce que j'ai tué mon collègue. C'était quoi ce truc en haut, là? C'est quoi cette barre de vie, là? Donc je suppose qu'il avait... Ah ok, d'accord, donc je suppose que c'est un... J'allais dire un bouclier, mais non, même pas. Oh, je pense que je croiserai ce truc qui contient énormément de vie assez tôt. Hop là. Ah non, ne me suis pas. Voilà, c'est bien ça. C'est cool. Alors ensuite, je vais souvent prendre le même chemin, je... Bonjour. Prendre le même chemin... Ah ben, au revoir. Oui, donc je disais, je vais souvent prendre le même chemin, parce que... quand je connais pas trop les maps, comme ça, je me perds très facilement, parce que j'ai énormément... énormément pas le sens du repère, tout simplement. Hop là, putain, c'est quoi ce délire, là? D'où tu me tires dessus? C'est quoi ton flingue? Parce qu'il a l'air très très bien par contre. Hop là. Bonjour. Au revoir. Ouais, c'est... par contre la maniabilité et tout, c'est assez speed. Bon, mais ça je pense qu'on peut le régler dans les paramètres. Ah merde, putain, je pense jamais qu'il peut y en avoir un derrière moi. Et ouais, donc ça je pense qu'on va pouvoir le changer dans les réglages, mais bon, je pense que je devrais m'y habituer assez vite. Puis en plus, bon, c'est une bêta, donc je vais pas non plus m'embêter à vraiment m'habituer à changer les réglages, je vais plus m'habituer. Ouais, généralement dans les jeux, de toute façon, c'est très très rare quand je change les réglages, je les change même quasiment jamais. Hein? Oh, je me suis suicidé. Oh merde. Ouais, dans les jeux c'est assez rare quand je change les réglages. Généralement je laisse tous les réglages qui à la base. Parce que ça me saoule de toucher aux réglages, de toucher à tout. Puis je... Ah bah nickel. Et puis je m'y habitue assez vite. Ouais, dans la plupart des jeux. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo sur ma première vidéo sur la bêta de Doom vous aura plu, ou du moins vous plaira. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre, et puis bah, n'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime, et puis bah, un petit commentaire aussi, et puis bah, pourquoi pas partager ma vidéo histoire de me faire connaître un petit peu, et puis même tout simplement la faire partager pour me faire voir à quel point je joue mal aussi. Ça peut être une solution. Donc, ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la bêta de Doom. Allez, salut!